une histoire comme ça, c'est en anglais. Putain, c'est trop... Je peux pas chanter aussi haut, mais à l'époque, c'était ça. 100 millions, c'est mon temps. Et la pute, je dis, les enfants sont mes mamans, foutu le camp. C'était toujours comme ça, ça tournait en boucle autour de ces quatre accords. Et puis, bon, le producteur Bob Ezrin, il me dit non, c'est vachement trop rapide. Essaye de la ralentir. Hein, je... Il me dit, mais attends, mais c'est vachement trop, ça va pas avec ta voix. Ah, bon, d'accord. Alors, essaye là. C'est vachement mieux. T'as une petite intro, là, je vais faire. Genre. Cendrillon, pour ses 20 ans, et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le proche amant, la prend sur son cheval blanc, elle part. Puis là, j'ai dit, il manque un truc, non? Il dit, ah ouais, ce serait pas mal de rajouter un petit truc qui amène au refrain. Et donc, au bout d'une demi-heure, je lui dis, j'ai trouvé ça. Pour ses 20 ans, et la plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps, dans ce palais d'argent. Et là, allez, continue. Alors, je prends... Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. On dit ouais, c'est cool. Et donc on a enregistré comme ça. Et puis il y avait à la fin, il y avait la batterie de Richard. Une fois que tout était enregistré, ça faisait elle part, pom pom pa. Jolie petite histoire. Puis ça me dérangeait un peu. Et j'allais pas lui dire on recommence tout. Donc je me suis dit, tiens, on va. La grosse caisse que je trouve un peu lourde, on va la planquer. On fait.